assez rare que, comme éditeur, on a la chance de parler avec nos lecteurs. On est dans nos bureaux, on fait des livres. Par contre, dans un salon, les gens viennent nous voir et là, on peut échanger. Ils nous témoignent leur appréciation, ils nous disent des commentaires. Moi, je regarde, comme éditeur, je regarde qu'est-ce que les gens touchent comme couverture, qu'est-ce qu'ils intéressent, vers quoi l'œil va. Donc, j'emmagasine plein d'informations aussi, mais surtout le témoignage qu'on reçoit des lecteurs qui nous encouragent à continuer, qui nous incitent à garder notre voix, à continuer. Bref, donc, c'est excessivement important pour nous. Ça se passe très bien. En fait, justement, ce matin, je me disais, c'est merveilleux parce que je m'en vais parler d'amour au public. Ça va vraiment bien, il fait beau, les gens sont de bonne humeur, les gens sont réceptifs. Donc, c'est vraiment un très, très beau salon. Bien, il y a énormément de monde aujourd'hui. C'est excitant, mais chacun des salons a un peu sa couleur. Et c'est le plaisir de rencontrer, finalement, nos lecteurs, de rencontrer des gens qui ont passé du temps ou qui vont passer du temps avec ce qu'on a pondu de plus intime. C'est toujours très impressionnant. C'est un très, très bon salon. L'achalandage est au rendez-vous. Les gens sont venus nous voir. On échange beaucoup. Les auteurs sont heureux. Donc, bref, c'est un excellent salon. Je pense que Udo Femblin, ce que j'ai essayé de créer, c'est une espèce de climat de famille, une camaraderie entre les auteurs, parce qu'on partage tous le même but. Moi, je dis toujours à mon équipe, quand je fais une réunion, souvent je leur rappelle, quand les gens vous demandent qu'est-ce que vous faites au Dauphin Blanc, ben, ça a l'air qu'on fait des livres, mais en fait, on sauve des vies, on aide des gens, parce que c'est ça qu'on reçoit comme témoignage. Donc, les auteurs aussi participent à ce grand mouvement-là d'aider, de participer à une ouverture de conscience. Donc, ils sentent que le véhicule Dauphin Blanc, si tu veux, la famille Dauphin Blanc, va dans le même sens qu'eux. Donc, je pense que c'est ça qu'ils attirent chez nous, qu'il faut qu'on continue. C'est des gens qui sont humains. C'est des gens qui sont humains, puis ils sont toujours à l'écoute de ce qu'on veut faire. Alors, moi, Alain, il m'a dit, quand il est venu me voir, Marie-Claude, je veux un livre sur l'astrologie. Et j'ai dit, Alain, je ne sais pas quoi t'écrire. Il n'y a pas de problème. Il dit, prends ton temps, puis il dit, quand tu seras décidé, tu sauras ce que tu veux faire, tu me le dis. Le dauphin blanc, c'est un symbole qui est très, très pur, très joyeux. Puis on forme une famille aux éditions Le Dauphin Blanc. Et je pense que ça se sent. Bien, personnellement, moi, je l'ai choisi pour Alain Williamson. C'est certain qu'on a le goût de continuer. Il y a un grand respect aussi des auteurs, ce qui est quelque chose de fantastique aussi. Il y a une collaboration qui se fait. C'est vraiment un beau travail qu'on peut faire ensemble. C'est vraiment un coup de cœur pour moi, parce qu'après avoir rencontré Alain pour les deux livres collectifs, c'était comme évident que mon dernier livre, il serait aussi avec le Dauphin Blanc. Moi, il y a cette espèce de fidélité du cœur avec les éditions. Donc voilà, c'est une histoire de cœur. Ce sont tous des gens qui ont à cœur de faire évoluer les gens, qui ont à cœur d'ouvrir des portes. C'est un très beau salon, puis je suis vraiment contente de mon éditeur. Je me sens bien avec eux. Puis je trouve qu'il y a une belle fraternité, puis il y a comme toute cette ambiance. Je pense qu'on reste avec le Dauphin Blanc quand on est en résonance avec les valeurs. Je pense que c'est une très belle famille. Puis en même temps, on travaille tous dans le même objectif, qui est d'offrir des livres de qualité et qui vont faire vibrer les gens puis qui vont amener les gens à cheminer sur eux-mêmes. Donc je pense que quand on trouve une qualité d'équipe comme ça, on ne peut plus s'en passer. Après, c'est un beau travail d'équipe, puis en même temps, c'est un plaisir de partager nos écrits avec la famille du Dauphin. Pour fin 2016, c'est sûr, c'est notre année du 25e à partir de septembre. Donc, on a beaucoup de trucs qui s'organisent, beaucoup d'excellents auteurs qui s'en viennent avec nous de nouveau. Il va y avoir des concours pour nos lecteurs, concours pour les libraires qui participent aussi à notre 25e. Je leur souhaite de continuer comme ils sont partis parce qu'ils amènent beaucoup de lumière dans la vie des gens. Si on regarde dans les catalogues, les gens, s'ils regardent le catalogue du Dauphin Blanc, il y a plein de beaux sujets et c'est très, très varié. Alors, je leur souhaite encore beaucoup de bonheur et surtout de la réussite, mais surtout de la santé parce qu'ils travaillent très fort. Beaucoup de livres et une renommée internationale. Et voilà, qui continuent sur leur belle lancée parce que c'est vraiment une édition, je pense, qui regroupe des auteurs au niveau du cœur. Merci toute l'équipe d'être là et de nous permettre de réaliser ces rêves. Et comme je dis toujours, on ne tend pas vers ces rêves, on en provient. Et vous faites en sorte
qu'on puisse porter notre rêve à l'intérieur de nous pour le mettre au monde. Merci. Merci beaucoup. Merci au Dauphin Blanc d'avoir accepté d'entrer dans une telle aventure. Oui, parce que c'était un beau projet de faire un collectif et merci beaucoup. Ce que je souhaite à l'équipe du Dauphin Blanc, c'est de continuer à naviguer dans des eaux aussi belles que maintenant, de traverser les océans et de générer encore plus d'abondance, autant pour le public, mais pour vous aussi, parce que vous travaillez fort et vous le méritez pleinement. Donc, c'est un bonheur de travailler avec vous. Merci, merci de nous faire rayonner, merci de nous faire vivre ça avec vous tous. Je vous aime tous et chacun. Ben, écoute, une continuité. Je pense que le Dauphin Blanc, la mission reste la même, la vision reste la même depuis le début. On a plus de moyens, évidemment, plus de le catalogue s'est élargi. On a plus d'auteurs, donc notre visibilité est aussi meilleure. Mais je me souhaite encore un autre 25 ans facile, si c'est possible.